Sylvine, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 16 octobre et j'avais vraiment envie de filmer aujourd'hui. Il fait vraiment super beau sur Compiègne, du coup j'en ai profité pour aller aux courses et ce soir je vais nous faire une tartiflette. J'ai acheté ce qu'il faut, d'ailleurs d'habitude j'achète du reblochon et là il n'y avait pas de reblochon. Du coup j'ai acheté fromage pour tartiflette. Je sais pas si ça a le même goût, je sais pas si c'est meilleur ou pas. On va bien voir. Dans tous les cas, je vais préparer ça pour ce soir. Samedi, avec Antoine, on a un peu visité le coin. On a été voir le château de Pierrefonds, pas loin de Compiègne, à 10 ou 20 km, je sais plus. Du coup, c'était cool. C'est vraiment un très très beau château, surtout vu de l'extérieur. Vraiment, il est super beau et on a fait la visite à l'intérieur. En plus, c'est gratuit, on a moins de 25 ans, donc autant en profiter. 25 ou 26 ans, je sais plus. Du coup, l'intérieur, j'ai été assez déçue parce qu'il est assez vide. En fait, il n'y a plus rien dedans. Bah, on voit les architectures, on voit les murs, tout ça, mais clairement, il n'y a rien dedans dans le château. Il n'y a pas de meubles, c'est vide et j'ai été assez déçue quand même de ça. Sinon, voilà, si vous avez quand même envie d'aller le visiter, c'est assez intéressant. Il y a une crypte très intéressante également avec plein de personnages de toute la France. En définitive, il est super beau de l'extérieur, à l'intérieur après ça reste à visiter. D'ailleurs, il faut qu'on y retourne parce que arrivé à la fin de la visite, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire demi-tour à moins d'inverser toute la visite. Mais dans la cour intérieure, quand on arrive, si vous voulez, il y a une pièce, il y a un endroit à visiter et nous, on n'y a pas été au début. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à la fin sans avoir vu cette partie-là, donc on va devoir y retourner. Sinon, pour blablater un peu sur les bouquins, j'ai commencé Shades of Magic de V.E. Schwab, je ne sais pas. Pour l'instant j'aime beaucoup, il est rare quand même que je lise des livres qui sont assez à la mode sur la blogosphère, en tout cas il est rare que je lise des livres en même temps que les gens en général. Du coup bah là pour une fois j'ai craqué, je me suis dit ça fait hyper longtemps que j'ai pas acheté de livres et du coup bah j'ai craqué, je me suis dit celui-là c'est pas mal. Donc on est parti pour celui-là. Je suis actuellement au chapitre 3, on n'a pas vraiment commencé l'histoire mais en tout cas l'auteur nous invite vraiment dans son univers, on entre vraiment dans son monde et ça c'est plutôt cool parce qu'on comprend vraiment la machination de ce monde qui n'est pas le même que l'autre évidemment. Ceci étant dit, je suis très contente de ce week-end puisque niveau travail, il y a eu une grosse promotion chez Party Light. Il s'agissait donc des pots 3 mèches qui coûtent quand même généralement assez cher et tous ceux qui connaissent la marque Party Light savent pourquoi c'est cher, c'est parce que les bougies Party Light, c'est pas du tout les bougies que vous retrouvez en grande surface, loin de là, c'est vraiment de la qualité, il n'y a pas de plomb dans les tiges, c'est vraiment que fait en coton et donc c'est très très bon pour la santé, il n'y a vraiment rien de nocif dans vos bougies. Alors qu'en grande surface, c'est pour ça que c'est vraiment pas rare que vos bougies elles fassent des traces noires, c'est parce que vous avez ce problème de plomb, il y a du plomb et c'est très mauvais pour les femmes enceintes, c'est très mauvais pour les enfants en bas âge. Du coup, si vous êtes enceinte ou que vous avez des enfants en bas âge, je ne vous conseille pas, même si vous êtes fan de bougies, d'acheter ceux en grande surface. Ce serait vraiment très mauvais pour vous, même si on s'en rend pas compte, hein, c'est comme ça et puis c'est tout. Bref, j'en reviens à mon truc. La promo, c'était donc 20€, 19,90€ pour être exact, le pot 3 mèches pour 34,90€ en général, le vrai pot au vrai prix. C'est quand même une sacrée promo et beaucoup de personnes ont été très intéressées donc je suis très contente. Voilà, ça c'est dit. Lola, je sais chérie. Oui, on va retourner dehors après. Lola est pas contente, je l'ai rentrée. Du coup elle veut aller dehors. Oui. Oh Lola, oui. We'll be right back.
2017 et j'ai vraiment beaucoup avancé dans ma lecture Shades of Magic. Je suis donc à presque 50% à la page 249 et j'aime beaucoup pour le moment, j'aime beaucoup cet univers que l'on a entrepris et j'aime vraiment beaucoup l'écriture aussi de l'auteur, faut pas se mentir. C'est simple et la façon dont elle approche les personnages est vraiment très bien, je trouve. Notre lecture n'avance pas très vite dans le sens où on n'avance pas énormément dans le temps. Je veux dire, là j'en suis à presque la moitié et ça fait quoi, peut-être une semaine même pas que l'histoire a avancé. Donc c'est vraiment dans le temps, ça avance pas très vite, mais ça n'empêche pas que notre lecture est très bonne. En plus, il faut dire ce qu'il y a, on n'est pas forcément sur un personnage principal super beau, on n'est pas vraiment sur un mec qui est hyper beau, voilà. L'auteur ne joue absolument pas sur le fait que son personnage puisse être plus beau qu'un autre. C'est pas le genre de livre qui va nous dire voilà, lui il est beau donc c'est normal que ce soit protagoniste quoi. Donc je suis assez contente de ça parce que la plupart du temps c'est vraiment il est beau, oh là là, toutes les filles vont tomber amoureuses, ce genre de choses. Or là, pas du tout. C'est plus le gars un peu. On retourne un peu sur le gars mystérieux que tout le monde ne connaît pas, enfin tout le monde connaît mais pas intimement dans le sens où. Tout le monde a entendu parler de lui, du fait de sa personnalité, du fait de ce qu'il est, tout simplement. C'est pas le genre de mec que la lectrice va forcément tomber amoureuse. En tout cas, là où j'en suis, c'est plus une histoire comme une autre et pas de l'histoire faite pour vendre. Je suis désormais à la page 341 de ma lecture et j'aime toujours autant, j'aime vraiment beaucoup ce qu'a fait l'auteur et j'ai très très hâte de le terminer. Je pense que ça devrait pas tarder, soit ce soir, soit demain. C'est toujours un plaisir pour moi de retourner dans ma lecture et ça c'est cool quand ça arrive. Je vais désormais faire mon gâteau aux pommes et pour ça le chat c'est facultatif, n'est-ce pas? Pour ça, vous avez besoin de 2 pommes, de sucre, de farine, de la levure, du sucre vanillé, Lola! De 2 œufs, du beurre pour fondre, mettre fondant dedans, et du beurre également pour mettre dans le fond de votre plat. Si vous voulez la recette précisément, je pourrais vous la donner, mais en attendant, voilà. C'est tout ce que vous avez besoin niveau ingrédients. Après, évidemment, il vous faut le plat pour faire le gâteau et le plat ainsi que le fouet pour tout mélanger. Ça va, Lola? On ne te dérange pas trop? Oui, c'est à toi que je parle. Je te dérange pas? Du coup, eh bien, c'est parti, j'ai mis la robe de chambre parce que j'ai pas trop chaud. Et puis bah je vais essayer de ne pas trop faire cuire mon plat parce que la dernière fois je l'avais trop cuit et c'était trop sec et c'est très nul. Oui. Donc on va essayer de faire avec Lola, hein, un vrai pot de colle, surtout quand elle voit de la bouffe, elle est capable de manger tout et n'importe quoi, même le truc le plus mauvais pour un chat, elle va vous le manger. Donc voilà, c'est parti. Oublié de vous montrer, maintenant j'ai un bureau, du coup il est juste ici, donc j'ai un bureau, il est tout simple, vraiment juste pratique, juste ce qu'il faut pour moi, et du coup voilà, je voulais juste vous le dire. Du coup il se présente simplement comme ça, voilà, donc ça c'est pratique parce que je peux y mettre des trucs, je peux mettre les fils, tout ça caché, même si je suis un peu embêtée parce que finalement j'ai mis la prise par terre parce que avec mon ordi, mon chargeur, ça ne marche pas. En fait, je ne peux pas le mettre dedans. Le gros plus sur ce bureau aussi qui m'a plu, c'est cette matière. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est complètement différent du bois en fait. Et c'est parfait pour écrire en fait dessus. Vous prenez une feuille, vous avez juste à le poser et ça y est, vous écrivez en fait. Ce qui est différent des autres bureaux, moi à chaque fois sur un bureau normal, je devais utiliser un cahier ou autre chose pour mettre en dessous ma feuille. Et là, j'ai plus besoin parce que le bureau directement fait ça.